Tous. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a une bonne connexion. Si vous me voyez, si vous m'entendez, faites-moi un petit signe. Je suis en retard aujourd'hui, je vous prie de m'en excuser, mais pour tout vous dire, on est en plein inventaire. Pour toutes celles qui m'ont eu au téléphone cette semaine, vous le savez, on est en plein inventaire, donc c'est une période très compliquée, très 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 difficile. Mais du coup, voilà, j'avais moins de temps. Enfin, je crois que je vous dis ça à chaque fois, que j'ai pas eu le temps de préparer. Bon, mais là, particulièrement aujourd'hui. En même temps, la vidéo était toute trouvée aujourd'hui parce que on a reçu des superbes nouveautés de chez Rice. Et juste avant, il y a à peu près 1 heure, on a une livraison de chez Daman Frères pour des nouveautés Daman. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter tout ça. Alors, on va commencer par un peu de couleur, comme c'est le week-end de Pâques. Ça y est, il est 18h05, ça y est, vous êtes en week-end, ou si ce n'est pas le cas, ça sera peut-être dans une petite demi-heure. Donc j'espère que vous allez en profiter, que vous avez un beau soleil. Il faut en profiter car il nous annonce une semaine assez froide. Donc voilà. Et du coup, le week-end de Pâques, un peu de couleur pour se faire plaisir. Je vais vous montrer tout ce qu'on a reçu. Alors, j'enlève ça, excusez-moi. On a reçu aujourd'hui les nouveaux assortiments de gobelets Rice. Alors, c'est toute une gamme que Rice a faite. Elle s'appelle Favorite. Et donc, cette gamme de nouvelles couleurs, ça reprend les plus belles ventes de coloris de chez Rice. Donc, peut-être que vous avez déjà l'un ou quelques-uns de ces gobelets ou des petites cuillères. Enfin, je vais vous montrer tout ce qu'ils ont fait. Et ça va vous permettre de faire des assortiments. Donc, on a le Red Kiss qui a été une folie. Vraiment, c'est un rouge qui a énormément plu. Donc, je vous montre de près. Le jaune soleil de chez Rice. On a ce magnifique navy blue. Donc, un bleu intense, bleu foncé, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, le dark pink qui existe depuis que je connais Rice. Je me demande si ça ne faisait pas partie du premier assortiment. Bah, si, ça faisait partie du premier assortiment. Ensuite, on a le bleu pâle et un vert, c'est un vert forêt, pareil, un vert intense. Donc, ça représente vraiment ce que les gens ont préféré de chez Rice. Je trouve ça vraiment c'est une super idée. Et en plus, ça fait un très bel assortiment et un assortiment mixte. Parce qu'il y a eu beaucoup de reproches, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup d'assortiments qui sont très, très filles, très girly, très roses. Et là, et bah écoutez, il y en a autant pour les messieurs que pour les petites filles. Donc c'est génial. Alors, on a donc ce lot de gobelets, c'est le 9 cm. Donc le gobelet médium. Je vais le garder à côté de moi, comme ça vous verrez la différence de taille. Ça, c'est le lot de petits gobelets. Très joli et très pratique pour les enfants, mais très pratique aussi pour boire un petit café. Bonsoir Nathalie. J'avais pas vu, oh, j'ai même pas, je suis même pas descendue voir les petits messages. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Quel temps vous avez en Belgique? Il fait beau aussi. Alors, voilà, ça c'était les lots de gobelets. Et j'ai pas eu le temps de ramener dans la livraison. On a reçu aussi les petits gobelets à expresso. Bonsoir Audrey, c'est bien, vous êtes en. Mais je suis en retard, c'est comme vous. Donc il n'y a pas de problème, vous êtes à l'heure. Donc on a reçu les petits gobelets. Qui vont, voilà, les mêmes, mais en tout petit. Ensuite, on a reçu l'assortiment d'assiettes. Oh, je vous les déballe parce que c'est tellement agréable de voir ces couleurs. Je les trouve sublimes. Hop, je vais ouvrir ce lot-là. C'est bien pour ça que je fais la vidéo, hein, pour vous montrer bien les choses. Regardez. Ça fait vraiment des super couleurs. Donc, on a bien ce superbe jaune. Le rose doux, ce vert. Alors, c'est vrai que sur ma caméra, on ne le voit pas bien, mais c'est. Oh, j'aimerais bien que vous. Ouais. C'est vraiment un vert forêt, vraiment un vrai vert intense. Le bleu pâle, le rouge Red Kiss. Là, bah, il est bien fidèle là sur mon image, c'est vraiment ça. Et puis, le bleu marine. Vous voyez, superbe.
On retrouve pour ces assortiments les petites cuillères. Tac, tac, tac. On retrouve les petites fourchettes. Tac, tac, tac aussi. Et on retrouve les cuillères longues. Alors, est-ce que vous avez des cuillères longues chez vous? Bonsoir Elisabeth. Oh, chez Nathalie, il fait gris et venteux. Bah, en fait, ça va nous arriver bientôt, là. Ça vient peut-être de Belgique. Mais c'est le vent du Nord, hein, je crois qu'on va voir, qui va nous tout geler, tout ce qui est en train de fleurir. Alors, donc ces longues cuillères, alors, est-ce que vous en avez? Et si oui, quels usages vous en faites? Parce que c'est rigolo de savoir à quoi on s'en sert. Moi, à la maison, bah, j'ai un bébé, donc c'est pour lui donner à manger. Enfin, maintenant, il a grandi, donc on utilise plutôt ce format-là. Mais on les utilise, nous, aussi comme touilleurs pour faire des cocktails. Ça, c'est super parce que vous voyez, c'est pas très large. Donc, ça va très bien aussi comme touilleur. D'ailleurs, après vous avoir montré ça, je vais, comme c'est le week-end, comme on a envie de prendre un petit apéritif, prendre le temps, je vous montre après des petits produits de chez Rice pour l'apéro. Voilà. Donc, ça, premier objet qui peut servir pour l'apéritif. Ensuite, regardez, elles sont géniales. Je trouve, voilà, un bel assortiment qui se marie avec toutes ces couleurs. C'est les cuillères longues. Et voilà. Alors, je vous montre de tout près, tout près. Non, encore plus près. Voilà, ce sont des petits cœurs. Oh, j'arrive pas à faire la mise au point. Mais il y a un gros cœur au milieu et des petits cœurs en poids sur les manches. Et donc, dans les différents coloris que je viens de vous présenter. Donc, pareil, ça se marie bien avec tout ce qui est là. Et puis, ils ont fait aussi les petites cuillères. Donc, celle-ci. Comme ça, pareil. Avec donc le petit cœur et les tout petits cœurs en imprimé sur les manches. Donc, il y a tous les coloris, donc 6 coloris différents, 2 petites cuillères comme ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Dites-moi si vous aimez cet assortiment. Moi, je le trouve vraiment joli. C'est sûr que c'est assez disparate. Hein. D'habitude, les lots de couleurs sont peut-être plus... comment dire, ils se fondent les uns avec les autres. Là, c'est plutôt des contrastes. Hein. Les couleurs, c'est très contrasté. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est réussi. Ils ont bien, bien tranché. Et puis, cette idée que ce soit les plus belles ventes, tous les favoris de chez eux, c'est bien pensé. Alors, autre nouveauté que nous avons reçue et que je n'avais pas encore eu le temps de vous montrer, enfin, je crois, mais je ne crois pas que vous ne l'avez pas montré, ce sont les longs mugs. Alors ça... c'est pareil, ça reprend un peu les coloris que je viens de vous montrer. Ah, bah justement, donc Mérève disait qu'elle utilise les longues cuillères avec ces longs mugs-là. Ben voilà, j'allais justement vous dire ça. Parce que regardez, ça va tout seul. Ça fait vraiment la cuillère parfaite pour mettre dans les longs mugs et puis boire un café latte, un latte macchiato, un cappuccino, ce que vous voulez, ou un long thé avec du sucre ou du miel hein, pour mélanger. Donc, elles sont de la bonne taille, ou bien, vous avez aussi celle-là, hein, ça va super bien. Et ça, c'est aussi les cuillères à glace. Moi, je me souviens que Pauline, qui travaillait avec moi à la boutique, elle les utilisait pour manger ses yaourts, hein, même si elles étaient longues. Et comme elles sont petites, ça fait des petites bouchées, le dessert durait plus longtemps. Donc, voilà. Alors, voilà les longs mugs, les tout nouveaux qui viennent de sortir. Je vous montre les coloris. Donc, celui-là, il est jaune à l'extérieur parce qu'on ne voit pas bien sur le site. Il est rose pâle à l'intérieur. Je n'arrive pas à m'orienter. Voilà, rose pâle à l'intérieur. Celui-ci, il est fuchsia. Ah oui, avec les pots de moutarde. Mais c'est une super idée. C'est une super idée pour aller au fond des pots ou des grands pots de miel ou de confiture. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et j'ai bien vu de vous poser la question. Celui-là, il est rose à l'extérieur et il est orange. Alors, c'est orange pétant. Hein, orange bien flashy à l'intérieur. Et celui-là, un petit peu plus foncé. Donc, bleu pâle à l'extérieur et bleu marine à l'intérieur. Donc, plus intense.
Et alors, ces trois gobelets, ils sont sortis avec ces trois petits plateaux. Regardez si c'est pas mignon. Donc à chaque fois, vous avez un rappel de couleur. Tac, tac, tac. Et donc ça se marie super bien. Et ça, ben, pour regarder, imaginez un. Ah, c'est mon fils qui n'est pas content, là, mon bébé qui râle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Donc, on a le plateau avec ça. Et puis, ben, vous imaginez un beau petit dessert, un grand chocolat chaud, le top. Voilà. Et alors, ces petits plateaux-là, bien sûr, vous pouvez les avoir à l'unité. Hein, sans... Parce que pour l'apéritif, c'est pareil. C'est un super petit plateau pour présenter des petits desserts. Ou des petits fours, voilà, des petites préparations. C'est un bon format. Voilà. C'est un bon petit format de plateau pour les petites gourmandises. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer dans un premier temps. Donc, je vais me faire un petit peu de place parce que j'ai des grandes pièces à vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez la vaisselle acrylique de chez Rice. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo, mais comme je voulais vous parler des petites choses sympas pour l'apéritif, je voulais vous montrer ça. Alors, de près, vous voyez, c'est très brillant. C'est de différentes couleurs. Là, celui que je vous montre, c'est un coloris turquoise en transparence. Et celui-là, c'est rose. Donc, c'est très dur, hein. Vous voyez, ça a l'apparence du verre, mais c'est de l'acrylique. Et bah, ça ne casse pas. Donc, pour l'été, pour les beaux jours, pour aller voilà, dehors ou pour emmener en pique-nique, pourquoi pas, vous avez toute cette gamme d'acrylique. Donc là, je vous montrais les coupes à champagne. Je vous ai aussi apporté les grands verres à vin. Voilà, on peut facilement... voilà. Mettre voilà, tout un tas de cocktails, c'est une belle contenance, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça peut être aussi pour des orangeades, même pour les enfants qui veulent boire comme les grands dans un verre à pied, c'est super. Donc il y a cette gamme pour l'été que je trouve sympa. Et il y a aussi un modèle de verre à cocktail en acrylique. C'est le verre à margarita. Donc superbe. Il y a trois couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a rose, un vert et un turquoise. Donc c'est pareil, hein, ça c'est solide, mais voilà, pour être tranquille, pas se dire je vais casser les verres en les sortant sur un plateau pour aller dehors, c'est impeccable. Donc ça aussi c'est sur le site. Alors cette gamme-là, vous la retrouvez dans voilà, dans vaisselle en mélamine. Même si c'est pas de la mélamine, on n'a pas trouvé le moyen de faire autrement parce que ça faisait créer une rubrique de plus. Enfin, c'était les contraintes du site, mais dans vaisselle en mélamine. Tout en bas, vous verrez vaisselle acrylique et vaisselle et verre, parce qu'il y a aussi des choses en verre chez Rice. Donc j'ai tout regroupé dans cette gamme-là. Et vous verrez dans cette gamme d'acrylique, un peu plus tard dans la saison, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Vous avez aussi les pichets, les saladiers, les bols à apéritif. D'ailleurs, je croyais en avoir pris, mais j'ai oublié. Des petits bols pour l'apéritif. Et puis des grands gobelets, des petits gobelets. Enfin, il y a toute une gamme. Et qui est vraiment festive et je dirais très très estivale. Voilà, c'est vraiment pour la vaisselle qu'on prend pour l'extérieur, pour les beaux jours, mais elle s'utilise bien sûr aussi à l'intérieur. Voilà, alors ça c'était une première petite chose pour l'apéritif. Je vous ai apporté aussi des choses. Oui, Nathalie a dit c'est top pour le jardin, mais c'est vrai, c'est vraiment pour ça. Et d'ailleurs, Charlotte, elle reçoit beaucoup de. Même s'ils sont au Danemark et qu'ils n'ont pas beaucoup de journées de soleil, mais du coup, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ils vont très facilement dehors, les Danois. Et je pense qu'elle a vraiment fait cette gamme, Charlotte, pour avoir la facilité d'aller dehors avec de la belle vaisselle. Voilà. Pas forcément utiliser la vaisselle en carton. Je vous ai apporté des petits trucs aussi vraiment sympas, qui peuvent faire double emploi. Vous voyez ça, ce sont des petites coupelles. Et puis c'est un peu tout dans les mêmes couleurs. On a le jaune, j'ai pas fait exprès, mais je crois que j'ai été attirée par le jaune aujourd'hui, mais c'est le soleil là, qui donne envie de couleurs. Ça, ce sont des petites coupelles à banana split, donc pour les desserts.
Mais on peut très bien imaginer aussi mettre des petites choses pour l'apéritif. Donc, vous voyez, ça fait double emploi. Je trouve que c'est un beau format. Moi, je me rappelle quand on est allé chez Reiss il y a quelques années. On était en Allemagne, chez les collègues allemandes de la maison Reiss, mais l'antenne allemande. Et elle m'avait fait, en fait, un dessert. Alors, il y avait des fruits dans le fond. C'était des pommes à la cannelle. Il y avait un gâteau par-dessus et de la chantilly par-dessus. Donc, vous voyez, ça faisait vraiment un super dessert. Et puis, le fait que ça soit présenté comme ça dans une coupelle, pas dans une assiette à dessert, ça avait un côté encore plus gourmand. Donc, voilà, je voulais vous les montrer. Dans le site, elles sont dans la rubrique cuisine, petits extras. Voilà, donc, mais je crois qu'elles sont aussi dans la rubrique des bols. Parce que comme on n'a pas de rubrique spéciale pour les coupelles à dessert, voilà, c'est là que vous pourrez les trouver. Donc, je voulais vous montrer ça. Ensuite, chez Reiss, on a toute une gamme de petites choses pour les petits apéros. Alors, je vous montre celui-ci, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, ce n'est pas la peine que je les sorte. Ce sont des petits pics avec une petite fleur au bout. C'est vendu dans une petite boîte, donc on peut facilement les ranger. Et c'est tout mignon, il y a différentes couleurs, donc ça permet à chacun de retrouver sa couleur. Vous avez aussi la petite sirène, parce que vous savez, le Danemark, c'est le pays d'Andersen. Et donc, c'est des petites sirènes, voilà, qui sont sur ces petits pics. Et puis, on a de jolis petits pics en bois, avec des jolies hirondelles pailletées sur le dessus. Donc, je m'oriente mal. Voilà, très très mignon aussi pour... ça aussi, ça peut être pour décorer des cupcakes, hein, tout simplement. Trop trop mignon. Et ensuite, je voulais vous montrer les pailles de chez Reiss. Alors, chez Reiss, on trouve plein de sortes de pailles. Ça, ce sont des pailles en papier. Donc, elles sont super jolies parce qu'elles sont dorées. Alors, vous en avez deux sortes, je ne sais pas si on voit bien. Il y a une paille dorée, une paille avec des petits cœurs. Donc ça, c'est tout mignon, très festif aussi. On a, ça, je vous les avais montrées il n'y a pas très longtemps, mais je viens seulement de les mettre en ligne. Je me suis rendu compte en faisant l'inventaire qu'elles n'étaient pas en ligne. C'est des pailles en silicone. Alors, c'est pour les enfants, hein, enfin, pour les enfants ou non, mais c'est bien un thème animal. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit requin et puis un petit chat. Donc, ça, c'est les grandes. Elles sont vendues par lot de 2. Et celles-ci, elles sont un tout petit peu plus petites. Elles sont vendues par lot de 3. Vous avez un petit canard, un dinosaure et un petit poisson. Et donc, ça, c'est bien parce que c'est réutilisable, évidemment. Vous pouvez les laver facilement et les réutiliser. Donc, ça, c'est un super produit. Moi, ça c'est vraiment un produit que maintenant on utilise tout le temps pour les cocktails. Ce sont des pailles en bambou. Alors regardez, vous voyez, ce sont tout simplement des tiges de bambou. Et vous avez avec le goupillon pour nettoyer les pailles. Et elles sont increvables. Je crois que nous, on les a, ça fait, depuis qu'elles sont sorties, ça fait un an. On les utilise tous les week-ends. Et au départ, c'est surprenant le fait que la paille soit dure. Et au final, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je préfère les pailles aux pailles en plastique qui étaient toutes molles. Moi, j'avais tendance à les mâchouiller, à les écraser. Celles-là, elles sont super résistantes. Et c'est vraiment génial de se dire que voilà, on ne va pas jeter les pailles. En plus, on était allé dans un musée aquarium avec mon fils il y a quelques temps. Et on avait appris que toutes les pailles qui ne sont pas en carton, toutes les pailles en plastique, elles se retrouvent pour la plupart, il y a une quantité astronomique de pailles qui se retrouvent dans l'océan, et ça se met dans le nez des tortues. Ça l'a frappé mon fils, moi ça m'avait marqué aussi, et du coup quand on a vu ça, on s'est dit purée, mais c'est horrible quoi, on ne va pas continuer à utiliser des pailles en plastique. Et juste après, de toute façon il y a une grosse prise de conscience de tout ce qui est jetable, hein. Juste après, Reiss, ils ont sorti ces pailles-là et impeccable. On est tranquille, on peut boire un petit cocktail sans jeter,
sans jeter quelque chose en plastique qui se retrouvera on ne sait où et qui est mauvais pour la nature. Alors, autre chose, c'est typique en forme de panier. Donc, c'est des pics pour tout ce qui est petite brochette de fruits, petite. Enfin, ça peut servir de touilleur pour les cocktails. On ne voit pas bien avec le reflet, je suis désolée. Voilà. Donc, pareil, super rigolo, super festif. Et c'est pareil, c'est lavable, réutilisable, il n'y a pas de problème. Hein, vous les avez, vous les gardez, c'est pas jetable. Donc voilà les petites choses que je voulais montrer pour l'apéritif. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, ça. Alors ça, c'est de la céramique. Bonjour Anne. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, ce sont des petits bols en céramique. Donc, ils sont faits en Italie. Rien à voir avec la mélamine. Hein, ça peut casser, mais c'est très, très joli. Regardez un peu. Alors, c'est une technique de fabrication qui est très artisanale, en fait. Et donc, il y a des nuances de couleurs ultra, ultra riches. Dans le même coloris, vous allez avoir plein de nuances de rose, plein de nuances de vert. Donc, si jamais vous en commandez, ne soyez pas étonnés si vous prenez, je ne sais pas, 4 pièces de rose. Elles ne seront pas toutes identiques, mais c'est vraiment ce qui fait leur charme. C'est très, très joli. Alors ça, c'est idéal pour l'apéritif, hein, vous voyez, pour mettre des petites cacahuètes. Moi, je les utilise aussi pour mettre des petites sauces quand on fait une pierrade ou des petites, comment dire, des petites tomates cerises, enfin tout ce que vous voulez. C'est joli comme tout. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, je regarde une émission sur Netflix. Et c'est une émission culinaire, c'est présenté par Nadia Hussein. Ça s'appelle Pâtisser ou Cuisiner avec Nadia, quelque chose comme ça. Et en fait, elle a plein, je trouvais la cuisine superbe où elle est, évidemment, ça fait rêver. Et elle a plein de choses de chez Rice, en particulier les petites cuillères comme ça. Et là, des thermos de chez Rice, des saladiers, des torchons. Et je les connais ceux-là. Donc, c'est ces petites coupelles-là. Alors, elle met pour faire ses pesées le sucre, la levure, etc. Elle verse. C'est trop mignon. Trop, trop joli. Voilà. Et alors, ceux-là, il y en a quelques-uns. Vous verrez, c'est donc la vaisselle en céramique. Il y en a quelques-uns en ligne. Mais ils seront en ligne la semaine prochaine. Voilà. On ne les avait pas encore mis en ligne. Voilà pour ces petites choses très très festives et apéritives. Je voulais vous montrer pour finir sur ce qui est de chez Rice des superbes plateaux pour présenter vos plats d'été, de printemps. Alors regardez, ça c'est vraiment Rice. C'est un plateau comme avaient nos grands-mères. Vous voyez ces formes festonnées. Et puis, c'est de la mélamine en fait, hein, donc c'est génial. Pareil pour présenter une belle salade, une salade composée des crudités, un joli dessert, voilà, ça c'est super pratique. Vous en avez un autre, son frère en rose, qui lui est de forme rectangulaire. Voilà, trop superbe. Donc vous voyez le format, hein, hein, c'est un format bien pour une famille de 4-5 personnes. Et puis, pour les grands plats à partager, vous avez ces deux magnifiques assiettes. Alors, ça peut être des assiettes de présentation. Je crois qu'elles sont présentées comme ça chez Rice. Moi, je trouve que c'est plutôt un grand plat. Ça peut faire un plat à tarte. Mais Raph me dit que oui, vous regardez cette émission, ben, vous devez saliver comme moi. Moi, je bave quand je la vois cuisiner. Et puis en plus, avec des articles Rice autour, c'est le paradis. Alors, ça, c'est le modèle Connecting the Dots. Et ça, regardez, c'est des toutes petites bananes. Oh non, mais c'est génial. Qui a l'idée de faire un décor avec des petites bananes comme ça? C'est trop mignon. Et donc, dans le catalogue de Rice, eux, il est présenté aussi pour mettre une pizza maison. Et puis, voilà, avec pour que chacun se serve pour l'apéritif, on fait une petite pizza et puis chacun prend sa petite part dans un plat comme ça, c'est superbe. Ça peut faire aussi plat pour le couscous, hein, c'est tellement grand, voilà, c'est super. Donc ça, je voulais vous les montrer. Voilà.
Ouais, ça va peut-être faire un petit peu long, mais je voulais quand même vous en toucher deux mots. Des serviettes de table, je crois que je vous les ai déjà présentées, mais un peu rapidement. C'est les serviettes de table qui sont sorties pour l'été. Donc ça reprend les motifs de petits poissons. Je vous montre le format, je vous en déplie une. Regardez, c'est un beau format de serviette. Voilà. Toc, plutôt dans le sens là. Donc, il y a tout un petit liseré fluo cousu. Et puis, voilà, des motifs très joyeux. Donc, voilà, pour vos tables de printemps-été, c'est superbe. Une qui est super jolie. Dans ces motifs, donc, vous avez les motifs poissons, les petits fish, le candy strips. Ça, c'est budgie, donc c'est avec des petites perruches. Vous avez le motif avec les petites Delightful Daisies, donc des petites pâquerettes. Vous avez le Summer. Ah, je vous montre celui-là aussi. Je vous déplie parce qu'il faut le voir en entier pour comprendre comme il est joli. C'est un petit paysage de printemps. Voilà. Et puis, pour finir, celui qui fait le plus été, c'est le modèle Peach. Voilà. Regardez si c'est pas joli. Ça fait envie. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment envie. Voilà. Donc, le conseil, c'est de ne pas forcément prendre toutes les mêmes. Toujours un petit peu les marier. Entre elles, voilà, faire une table avec différents motifs pour que ça soit super joyeux. Donc voilà ces petites serviettes, elles sont dans la rubrique Tea Time. Donc c'est pareil, c'est faut aller dans Vaisselle en Mélamine Rice, Tea Time, et là vous avez toute une petite rubrique pour tout ce qui est voilà l'heure du thé, les petites serviettes, des petites coupelles à thé. On a mis les serviettes en papier par exemple, et donc vous retrouverez ces serviettes de table en coton. Oui, c'est nouveau chez Rice, ils n'en faisaient pas. Et c'est vrai qu'au catalogue, ça manquait un petit peu. Ils faisaient des torchons depuis peu. Et donc, voilà, les petites serviettes de table sont arrivées, c'est superbe. Alors, je vais changer complètement de thème pour vous montrer. Alors, c'est du thé. Donc, ce n'est pas facile de vous présenter du thé en vidéo, mais quand même, je vais le faire. Alors, c'est le nouveau thé qui est arrivé de chez Damad Frères. C'est pas celui-là, mais il est nouveau aussi, mais c'est pas le premier que je voulais vous montrer. Alors, voilà. C'est un vrai bonheur. Alors, il s'appelle, en plus je trouvais que c'était bien de circonstance, il s'appelle Mon Petit Praliné. Alors, regardez-le. Je vais enlever ça, ma petite étiquette qui est toujours dedans. Regardez cette beauté. Donc, c'est un thé noir. Et c'est un thé noir du Kimun. Donc, c'est un thé de Chine qui a des notes qui sont déjà chocolatées. Et il est parfumé. Alors, je le sens, là, ça fait envie. C'est des notes de chocolat, mais de noisettes, comme le pralin, hein, noisettes, des notes de caramel et de miel. Donc, ça fait vraiment un parfum super gourmand. On a l'impression, quand on ouvre la boîte, de sentir un petit chocolat de Pâques. Je trouvais que c'était, voilà, de circonstances. Et ben voilà, donc celui-là, il est tout nouveau, et je l'ai mis en ligne, donc vous pourrez aller le voir. Il y a un petit peu plus de description sur le site. Donc ça, c'est une nouveauté de chez Daman. Et on va rester dans le chocolat, parce qu'ils ont fait un nouveau mélange. C'est une infusion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le gruet de cacao. Donc c'est vraiment ce qui va servir plus tard à faire la poudre de cacao et puis après le chocolat. Mais donc là, ils ont fait une recette de gruet de cacao. Donc je vous montre. Donc, je vais vous montrer celui qui est le plus parlant au niveau visuel pour que vous compreniez bien ce que c'est le gruet. Ils l'ont fait. Voilà, vous allez voir. Alors, regardez à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment des petites écorces. Pareil, je vais enlever cette étiquette. Voilà, vous avez de jolies écorces de cacao. Et là, les petits morceaux blancs que vous voyez, c'est de l'écorce d'orange. Donc en fait,
c'est un goût très cacaoté. Ça se boit comme une infusion. Ça n'est pas du tout, il n'y a pas de théine dedans. Et donc, vous avez ces notes de chocolat orange dans une infusion. C'est ultra gourmand. Donc voilà, ça c'est la première petite nouveauté. La deuxième, pardon. Mais c'est tout nouveau, c'est une exclusivité de chez Daman qui est toute nouvelle. Donc grué de cacao orange. Celui-ci, c'est grué de cacao menthe. Donc là, rien que de le sentir, je vous le montre, c'est pas si le fond de la boîte, mais hop, vous voyez. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est un mélange d'écorce de cacao et de menthe. Donc, ça sent vraiment comme, vous savez, les after-eats, les petits chocolats à la menthe là, qu'on laisse fondre dans la bouche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pareil, sublime mélange. Et le dernier, peut-être à réserver pour un petit peu plus tard, c'est le cacao épice. Donc là, vous avez vraiment plus... de notes, je vous montre, c'est pareil, on a des écorces d'orange, mais il y a aussi des écorces de citron. Il a des notes épicées, citronnées, donc très très réconfortant. Donc ça se boira peut-être un petit peu plus tard, mais les deux autres, cacao orange, ou quand on l'ouvre, ça fait vraiment le gâteau, ça sent le gâteau au chocolat orange, un pur délice. Et l'autre, personnellement, mon préféré, c'est le cacao menthe extra. Donc, ils sont en ligne, vous pouvez aller les voir. Je voulais vous faire un petit cadeau pour cette veille de Pâques. Pour les commandes que vous passerez, si vous avez regardé cette... oui, Nathalie, elle est comme moi, elle bave de vos chocolats orange. Si vous regardez cette vidéo et que vous passez commande, avec le code donc VIDEO5, donc VIDEO5, VIDEO5, en majuscule 5, vous aurez une remise de 5% sur l'intégralité de votre commande et on joindra un cadeau de chez Rice. Alors les cadeaux qu'on joint de chez Rice, c'est vraiment des beaux cadeaux. Ça peut être un bol, ça peut être une trousse, ça peut être une boîte à thé, ça peut être... voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment des jolis cadeaux de chez Rice. Donc un cadeau Rice. 5% de remise sur votre commande et on vous mettra aussi un échantillon de nouveauté de chez Daman qui s'appelle Mon Petit Praliné. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous... Voilà, on est tous un peu plombés avec... ce confinement qui recommence, hein. Il y a un an, si on avait su qu'on en serait à nouveau là, on n'aurait jamais cru. Mais bon, il faut prendre ça avec philosophie, on va tous patienter. Et puis, nous, on continue à travailler, hein. On est toujours, on expédie toujours. C'est comme pendant le premier confinement qui était un peu sévère, on prépare toujours les commandes, on fait toutes les expéditions, on reçoit aussi toutes les marchandises. Donc ça continue, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire, si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, un produit que vous voulez que je montre, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit mail, à me le dire là en commentaire. Je ferai cette vidéo avec plaisir. Et puis, il me reste à vous souhaiter un bon week-end de Pâques, un bon week-end de cette fête du renouveau, de la renaissance, de la joie. Et puis de la lumière qui revient. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve avec plaisir vendredi prochain. Je vous fais de gros bisous. Joyeuse Pâques. Ciao, ciao.